C'est important. Si vous le faites, ça va vous encourager d'abord à élargir. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les petits agriculteurs puissent se mettre. Tout à fait. On sait, si vous voulez expliquer quelque chose, c'est mon collègue qui est ici. Quand on travaille à les produits, à les paquets finis, on fait quelque chose pour les familles. Ça, c'est plus ou moins les chiffres agronomiques. On est 80 hectares de production écologique. Et pour la production de 1100 ingénieurs aromatiques, c'est extraordinaire. Le deuxième groupe qui produit ces aromatiques, on produit 5 ou 6 fois moins que nous. Ce sont les grands producteurs de ces aromatiques. On a toutes les certifications, IFS, SMETA, Global Gap, et tout ça. On fait tous les
toutes les sources de l'exportation, ligne, l'IF, grâce, certification de ressources humaines, certification des produits, certification de production, tout ça. Ça, c'est les parts de Green Earth. Comme ça dit, il y a toutes les filiales ici à Maroc, les Green Earth, soit ici à Nador, les Aroma Earth, que soit à Tadir, et les Aroma Fresh, que soit à Moulay. Ça, c'est les Green Earth, le chiffre, tout à moi, des Green Earth. On fait 4200 tonnes de production agricole. Hein. Ici, on fait variété spéciale. Que si on fait ici la région comme la salicorienne, c'est un produit qui s'est fait par la salinisation qu'il y a ici. Le climat qui s'est c'est très bon pour faire la production. On fait ici aussi les pitayas. Et on fait ici le reste de la production normale qu'on fait sans ces. La région est très bonne.